100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. Barça, Barça, Barça. 100% Barça, Mesqueum Podcast. 20e journée de la Liga ce dimanche 5 février 2023. Le FC Barcelone reçoit le FC Séville, équipe du bas de tableau qui se bat pour son maintien dans l'élite. Objectif, gagner et rajouter encore de l'écart avec le Real Madrid qui a perdu 1-0 à Majorque. Et c'est une première mi-temps à sens unique que nous offrent les Blaugrana. Domination totale avec une multitude d'occasions, mais qui n'aboutissent pas grâce à l'excellent gardien de Séville, l'international marocain Bono, qui confirme sa superbe prestation du Mondial 2022. 0-0 à la pause. Et il va falloir attendre presque une heure avant que le score ne se débloque. Grâce à une fantastique action collective à la 57e minute, Rafinha contrôle le ballon au point de pénalty. Le glisse à caissier décalé sur la gauche, petite roulette arrière et il donne le ballon pour Alba, qui arrive lancé et du plat du pied trompe Bono. 1-0 pour le FC Barcelone. Et les hommes de Xavi vont enchaîner 10 minutes plus tard. À la 70e minute, avec un beau centre dans la profondeur de Rafinha, qui trompe le gardien sévillan et Gabi lancé n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages vides. 2-0 pour les Catalans, hein, le match est bien plié. Mais les Blaugrana ont encore faim et De Jong envoie un caviar sur Alba à l'aile gauche. Centre immédiat sur Rafinha qui devance in extremis Bono et ajoute un troisième but à la 79e minute. Score final 3-0 pour le FC Barcelone qui accentue son avance avec un écart de 8 points sur le Real Madrid. Tout va bien pour les hommes de Xavi. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.